Chers tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous découvrons Ima Survivor. Donc, c'est un jeu, j'ai envie de dire, bon, on est très loin, très loin de jeux comme Ark. Hein. D'ailleurs, il y a 2-3 aspects qui ressemblent, comme notamment un peu la manière dont c'est un peu affiché. Si bon, ça change, mais forcément qu'on augmente. Bon, j'ai mis des points, j'aurais pu les mettre ailleurs. Ça bouge pas trop. Le jeu quand même s'en inspire, ça, on le ressent. Ouh. Ok, ça c'est intéressant. C'est marrant, on le voit sur le dos. Donc, alors, le menu du jeu, c'est en restitution game. Le menu du jeu, c'est ici. Et dès qu'on save, on peut revenir sur cette partie ou si on met menu, ça crée en fait en quelque sorte une autre partie directement. Donc, il suffit juste après de recharger la partie. Bon, je vois qu'il y a pas mal de petites choses que... Oula, oula. On peut ramasser. Ok. Ah, par contre, l'habitude d'appuyer sur échappe. Ok, bon, par contre, tout est en anglais. On peut voir les stacks. C'est des stacks... Ah, ok, non, ça varie. Ok, on a de la clay. Bah, en français, de l'argile. Hein. On a des fibres. Bon bah, de toute façon là, sur le coup j'ai oublié le nom, pas grave. Ok, j'ai encore tout ça. Oh, une rune. Ok. Il dit que c'était... Ah, sur l'habitude. Eh ben, hé. Il y en a des loot pour un démarrage quand même. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu de survie. Ah, j'ai chopé une souris. Ah, ça fait toucher de la viande par contre. D'accord. Très bien. Bon, de toute façon, on a encore suffisamment de place. Ok. Intéressant. Ok, bon, en tout cas, il va falloir survivre sur cette île. Assez petite, quand même. Alors, je vois... Ah oui, carrément de la magie, ok. D'accord. Donc là, ok... D'accord, c'est marrant, de la magie. Ok, j'ai envie de dire. Level pour le moment, j'ai quasiment pas d'expérience. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse déjà, c'est les outils de base. Donc, hache, pioche, pelle. C'est quand même pas mal de loot. Du coup, là, déjà, non, ça suit bon, il va me manquer de la pierre et du bois. Bon, de la pierre, j'ai envie de dire, c'est classique. Comme ça. Voilà. Collecte quelques petites pierres. Et sinon, après, le bois, si je ne me trompe pas, c'est en tapant des arbres. Ah ok, il faut continuer de cliquer. Dis ça, mais c'est peut-être pas ça. Ok. Quoique l'arbre a quand même des signes. Hein. Quoique si, hein. C'est juste que c'est résistant. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'un jour on se fasse arc. Hein, parce que en plus j'ai arc en double sur Steam et Epic Game. Faudrait qu'on se le fasse, hein, un de ces quatre. Bon, je dis ce qui serait intéressant, ce serait de le faire en multi, ça veut pas se péter. Purée. Ah ok. Faut récupérer des bouts de planches. Ok. Donc là il me faut. Que. Okay. Non, j'ai récupéré ça.
Ah, je pense qu'il me faut ça en fait. On va voir. C'est peut-être... prendre les missions. Faudra qu'on aille voir les touches. Ah, déjà, on fait beaucoup plus de dégâts. Hop. Ça, c'est bon. Alors, tous les rats... Les rats, on va les bouffer. Ou par contre, mon nouveau casque, il faut encore que je m'habitue. Parce qu'il y a un réducteur de bruit. Et en vrai, au crâne... Ça fait un peu bizarre. Faut que je m'y habitue. Alors, niveau bois, on a ce qu'il faut. La pierre. Hop. Aussi, donc c'est parti. On va se faire une hache, comme ça c'est plus rapide. Ça c'est bien. Mettre la hache ici, on va mettre ça là. Je commence à avoir faim. Ah, pierre, on a aussi de la permission. Ah, par contre, je perds des points de vie, je gagne enfin. Là, je gagne un peu en HP. En endurance. EPS. Aucune idée. Ok, il va falloir quand même qu'on fasse cuire notre nourriture. Fertilisant. Tiens, on va essayer. Ah, ok. Ça me fait avoir soif, ok. Allez, je contrebalance. Ok, bon, ça me semble pas mal. Sinon, il nous fallait plus de bois. Oh, ok. On va couper cet arbre avant. Ça veut dire intéressant quand même que les feuilles tombent petit à petit comme ça. Ça plutôt intéressant, comme ça on n'a plus qu'à ramasser les feuilles qui tombent. Ok, ça on va prendre. Sinon on va voir au niveau des boutons. Je vais pas tout regarder. Bon, table on l'avait vu. Ok. Déjà, je suis loin de passer un niveau. Ça, c'est certitude. C'est ça qui a pourri. Ok. Alors, une pioche. Ah oui, ok. Il manquait ça. Ah oui, ok, j'ai plus de pierre. Bon, c'est pas grave, on se fait une pioche. Comme ça, on peut aller casser de la caillasse. Ça en fait partie, ça? J'ai pas l'impression. Y'a pas de barre qui descend. Comment on peut savoir? Ok. Lui, c'est du minerai. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ah, après, je trouve déjà tout l'équipement dans la zone. Bon, c'est vrai que je les ai craft. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, l'avenir, c'est qu'ils peuvent être abîmés. C'est bon à savoir. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ça. C'est ce qu'il faut, donc pourquoi pas. Il faudrait plus de pierres avant. Bon, là on a des cochons. Et peut-être si je mine quand même là. Ah oui, j'ai droit de tout.
Allez. Ah oui, ok, c'est fini. Donc ok, on a... Ah, on n'a pas la désignation. Donc, on a encore du charbon. Il y a du silex, de la pierre. Et on a aussi du minerai de fer. Ah, la brillance, c'est qu'on arrive à être plein. Ok. Est-ce qu'on peut construire dans la mer? Oui. Donc j'ai envie de dire heureusement. Comme ça on va se mettre en bord de mer. On peut choisir après la hauteur. Donc moi je vais mettre là. Voilà. Mais bon, par contre, juste que j'ai plus du tout les ressources. C'est pas grave. Ah oui, non, oui, non. Du coup, j'ai plus de bois, c'est vrai. Un peu compliqué. Le coffre. Ok. On va aller chercher du bois. Puisque c'est ce qu'on a le plus besoin. Il nous en faut quand même une certaine quantité. Ça met du temps quand même. Hein. Alors. Merci, j'ai plus de place. Je partais. Hop, un petit coffre. Ça, ça va faire du bien. Mince. Ok, bon, pour commencer le coffre est tout petit, on va le poser là. Bon, le nombre de slots est quand même intéressant. Ok, je pose quasiment tout mon inventaire, donc c'est déjà pas mal. Là, on avait vu qu'il nous faut principalement plus de bois. Parce que déjà, j'aimerais bien me faire un établi. Un feu de camp, ça serait intéressant. Ok, c'est marrant ça. Ok. Ah, et après, ça serait bien qu'on se fasse de l'équipement. On voit le pack-pack qui est là. Ok. Bon, après, tout est en anglais. Donc oui, il nous faudra ça pour notre tête. Ça pour le bas. Les autres éléments, je les vois pas. Ah oui, voilà, on peut trier comme ça. Ça, oui, ça c'est ici. Ça, on a là, on a ce qui vient sur la tête. Ah, ça c'est les gants. Ok. Ok. Bon, il nous faut de toute façon plus de bois. C'est une certitude. Rien que déjà pour construire tout simplement notre petite maison. Allez. C'est vrai que niveau bouffe. J'oublie qu'on a ça. Hein? Ah mince! Oui! Oui, c'est plus. C'est plus bon. J'avais oublié. C'est pas l'aide. Oui, c'est pas vraiment en train de pourrir, mais. Bah, si ça. C'est plus très bon, en tout cas, c'est plus frais. Voilà. On est plutôt bien.
Ok. Niveau bois, 35, c'est déjà pas trop mal. Continue un peu. Eh ben, en tout cas, ça m'en donne de la bouffe. Bon, je pense que ça doit pas être trop mal. Merci. Alors, un établi. Bon, bien entendu, on n'aura pas trop le temps de voir tout aujourd'hui, parce que... Voilà, quoi. J'ai envie de dire. Ah, purée. Comment ça? Le problème, c'est qu'en fait, ici, je suis déjà trop haut. Ah! Ouais, non, là sur ce coup, c'est peut-être un peu énervant. Embêtant cet aspect. Ouais, non. Oui. Ah oui, par contre, le problème, c'est que vu que les trucs... Ah. C'est embêtant, ça s'adapte pas trop. Bon, on va quand même s'installer ailleurs. Je vais laisser mon coffre là. De toute façon, on est sur une petite île, hein. Ça va profond par contre, hein. Et assez haut. Après, est-ce qu'on a réellement besoin de construire une maison? Voilà. J'ai envie de dire. C'est pas très... C'est pas forcément nécessaire. Alors. Qu'est-ce que ça va nous ajouter? Ok, bon, posez là. Ok, ça peut me faire des trucs un peu plus avancés. Une table de recherche. Ok. Ça, c'est pas mal. Bon, malgré deux choses, deux, trois petites choses sur le jeu. Alors, je rappelle que Archer Game, c'est un studio qui vend des jeux, des petits jeux, je crois quasiment tous à 1€. J'ai pas regardé, alors on va aller voir. Je n'ai pas regardé si celui-là en faisait partie. Si, il en fait partie. Alors, bon. Après, moi, je vais pas y passer tant de temps dessus. Alors, il y a quelques-uns de leurs jeux pour 1€, ça vaut pas et c'est pas top. Donc, il y en a certains que je recommande pas. Celui-là, bon, je pense qu'il y a beaucoup. À mon avis, ils ont dû quasiment utiliser. Il y a peut-être un. Oh, ils ont dû utiliser pas mal d'assets, soit du même style ou. Ou tout simplement un asset qui avait tout ça, ou au moins qu'ils ont réutilisé des assets de leur d'autres jeux. Ce qui est possible, hein, qu'ils réutilisent des assets pour créer différents types de jeux. Ce qui est possible. Mais... Non, là, sur ce coup, pour 1€, même si, bon, c'est pas très poussé... Bah, non, c'est pas exactement ça, mais au niveau de... Bon, quand on saute, bon, on... tout de suite, on n'est pas non plus un grand jeu. Mais, sur ce coup, pour 1€, il vaut son coup. Ça, clairement, il n'y a rien à dire. Pour la qualité que je propose au jeu, c'est intéressant. Surtout, après, si vous n'avez pas un PC très puissant, mais vous voulez juste vous amuser à construire un truc, sans que ça soit trop prise de tête, de la souris, là, il faut juste faire attention à ne pas manger des trucs pourris, et juste à manger.
Vous pouvez manger un peu de tout. C'est déjà un peu fourni, donc. Voilà, c'est assez simple. Et juste après, il faut trouver son objectif. Et vu qu'on a de l'argent, donc, il y a certaines choses, à mon avis, qu'on va voir, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être que l'argent, peut-être que ça va faire servir à la recherche. Là, bon, j'ai juste pas envie d'aller plus loin dans le jeu, c'est tout. C'est pour ça que je continue pas plus longtemps. Mais, le redis, mais pour le prix, non, il vaut clairement son prix. Ça, j'ai rien à dire dessus, de ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment vu de bug. C'est plutôt au niveau du gameplay en lui-même, mais pas vraiment de bug. Comme là, ça va pas plus profond, c'est un peu dommage. D'autres jeux permettent que ça aille plus loin facilement, que s'adapter au terrain. Ça serait bien sinon que si de base coûte le prix qu'il demande, mais que s'il détecte qu'il peut aller plus profond et que vous quand même construire, que ça coûte plus cher. Mais bon, il faut pas en trop demander, c'est un studio qui produit de toute façon des jeux à la chaîne. On a déjà testé quelques-uns de leurs jeux. De toute façon, si vous voulez... Ah, pire. Soit elle est où? Et là. Si vous montez, de toute façon, juste aller sur leur pack. Hop. Ça, j'ai testé il y a très longtemps. Bah, en fait, à sa sortie, en fait. Et celui-là... On a ces routes qui n'étaient pas top. Lui, il faut pas son prix. Non, lui il dégage. Lui, oui. Petit Playing Survivor, il vaut moins son prix par rapport à celui-là. Lui, un peu compliqué. Après, il est peut-être fait qu'en multijoueur. Mais bon, de toute façon, on risque de tester d'autres de leurs jeux. Hein. Vous étonnez pas. On risque d'en tester petit à petit, un jour ou l'autre. C'est pas impossible qu'on ait testé tout hors jeu. Ce bundle, un jour ou l'autre, peut-être que vous verrez toutes les vidéos sur la chaîne. Sauf bien sûr. Encore, j'étais précipité pour celui-là, je crois. Je sais plus. Mais bon, sinon, en tout cas, en brut, comme ça, de ce que je vois du jeu, il est intéressant. Donc, si vous avez 1€ à claquer. Ah, bon, alors. Si vous allez sur le marché gris, si vous n'avez pas d'annonce en streaming, vous pouvez avoir des meilleurs jeux pour 1€. Ça, voilà. Mais si vous voulez rester que sur Steam, quoique même sur Steam, j'ai vu certains jeux qui étaient assez fun aussi. Qui était même parfois en dessous d'un euro, qui était parfois à 50 centimes, 12. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ma série des jeux que je teste, qui sont souvent à 50 centimes. Mais ouais, non. Vous pouvez même trouver peut-être des meilleurs jeux, mais en tout cas, pour sa tranche de prix, mon rapport qualité-prix, il est très bien. Voilà. Par contre, si on était à 5€, là, je vous dis non. Ça peut se négocier, mais à 10€, non, bah non. Là, vous avez des bien meilleurs jeux, 15€, mais laissez tomber, prenez autre chose. Voilà. Sinon, voilà. Allez, bah sur ce, nous on se teste là. Et puis, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt tout le monde.